Bon, écoutez, je propose que l'on commence tout doucement, parce que je vois que les chiffres augmentent, mais bon, les gens prendront le train en marche. En tout cas, je suis absolument ravi d'accueillir nos invités, pour cette, session qui, accueille tout particulièrement le dernier ouvrage d'Olivier Delage, L'Ain d'un géant fragile, dont vous avez sans doute vu déjà la publicité faite par Iris. Je tiens tout particulièrement à remercier nos deux assistantes, Pauline et Bertie, pour l'organisation de cet événement, et surtout nos invités que je présente très rapidement ici, tandis que le public nous rejoint. Donc Olivier Delage, qui est journaliste à RFI, qui s'apprête à repartir pour l'Inde, et qui vient d'éditer donc cet ouvrage L'Ain d'un géant fragile aux éditions Erol, qui est un excellent ouvrage pour qui s'intéresse aux enjeux contemporains de l'Inde, mais aussi à des questions historiques fondamentales sur les grandes dynasties impériales qui se sont succédées dans l'espace indien. Nous accueillons également Balvir Arora, qui est professeur à l'université Nehru à New Delhi, qui est politiste et qui abordera avec nous un certain nombre de questions, a priori liées essentiellement à la question de la politique intérieure, à l'avenir même du gouvernement Narendra Modi. Sandrine Prévost, que je salue également, qui est une ethnologue de formation, qui a écrit récemment Comprendre la culture des castes aux éditions de l'Aube, qui nous a rejoint également. Et enfin, Christophe Jaffrelot, qui est directeur de recherche au CERI, Sciences Po, CNRS, et dont les derniers travaux portent notamment sur l'Inde de Narendra Modi. Donc, sans plus attendre, eh bien, je vais poser tout d'abord une question à Olivier Delage par rapport à la question de la démographie. On dit souvent que la population indienne va dépasser d'ici peu la population chinoise, que cette dernière, on le sait notamment par les travaux d'Isabelle Attané, commence à vieillir, et selon la formule consacrée, donc la Chine sera vieille avant de devenir riche. Qu'en est-il pour l'Inde? C'est vrai, l'Inde va dépasser peut-être l'année prochaine, c'est ce que dit l'ONU, peut-être celle d'après, enfin très bientôt, la population de la Chine, 1,4 milliard d'habitants actuellement, se touche de très peu. C'est une population très jeune, la population indienne, très jeune, mais les dernières statistiques qui ont été publiées au cours de l'année montrent qu'on n'atteint plus le renouvellement. Donc en fait, elle aussi va connaître son vieillissement, mais pas avant une quarantaine d'années. Et donc, pour le moment, il y a ce dynamisme potentiel dont l'Inde devrait tirer le bénéfice, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et il y a la question du vieillissement qui se posera dans une quarantaine d'années. À ce moment-là, si on n'a rien fait pour se préparer à accueillir les personnes âgées d'alors, la question de la dépendance, c'est quand même un pays qui ne connaît pas la sécurité sociale, de gros problèmes s'annoncent à l'horizon, mais on n'y est pas encore. Et évidemment, surtout quand on parle depuis la Chine, notamment, l'Inde, c'est avant tout un marché avec son plus de 1 milliard de consommateurs. Quelles sont les potentialités précisément pour les pays occidentaux que représente l'Inde et son marché de consommateurs? Elles sont très tentantes, mais c'est en même temps très compliqué de s'installer pour viser ce marché. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont essayé et qui sont reparties. Il y en a d'autres qui s'accrochent. Mais disons que les promesses, parfois sont au rendez-vous et souvent elles ne le sont pas. Et Sandrine Prévost, justement, c'est une façon de faire la transition et que vous preniez la parole parce que vous êtes ethnologue notamment, mais vous travaillez beaucoup justement sur la question des castes. Est-ce que cette complexité que décrit Olivier à l'instant est liée précisément à cette perdurance du système des castes ou au contraire, faut-il y voir peut-être une opportunité de promotion sociale inédite, et je pense tout particulièrement à la question assez singulière des Dalits
qui, tout en étant encore et plus que jamais discriminés, n'en bénéficient pas moins d'avantages très réels qui sont liés à la nature même de la démocratie indienne. Est-ce que la démocratie, les castes et la démocratie? Alors, les castes, c'est une structure sociale hiérarchique qui existe depuis longtemps. C'est ce qui organise un petit peu, par exemple, les mariages, la vie quotidienne. On se marie dans sa caste. Il faut savoir qu'il y a le système des castes et la caste. La caste où on vit, c'est un grand réseau social, c'est une grande famille. Donc, la caste en soi, pas négatif. Ça permet au sein de la caste, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches, et ils peuvent s'entraider. Le souci, c'est entre les castes, effectivement, et les rapports hiérarchiques qu'il y a entre les basses castes, hausses castes, etc. Pour la démocratie indienne et les Dalits, donc il y a la discrimination positive, donc il y a eu une amélioration de la position des Dalits, mais il ne faut pas non plus exagérer cette amélioration parce que les hautes castes restent quand même majoritaires dans l'administration, etc. Même s'il y a eu une amélioration. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'évoluer parce qu'on est issu d'une basse caste. Et ça ne veut pas dire que le système de discrimination est totalement voué à l'échec puisqu'il y a eu des résultats, mais les résultats, ils ne sont pas non plus extrêmement bon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la présidente de l'Inde, c'est une femme qui est issue d'une communauté tribale. Et avant, c'était le président de l'Inde était un Dalit. Donc, bon, c'est lié à des enjeux politiques que Christophe et Olivier ou Balbir pourront expliquer bien mieux que moi. Mais voilà, ça s'améliore. La caste en soi n'est pas que négative, elle peut être positive pour le réseau que ça représente. Mais il y a des discriminations et la situation est loin d'être réglée de toute façon pour les Dalits. Voilà. Et autre question posée cette fois-ci à Balvir, vous qui êtes sur place de surcroît, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la situation sanitaire et sur l'état même de l'économie indienne après la période de la Covid, qui n'est pas encore d'ailleurs totalement terminée? En effet, oui. Sur le plan de COVID, le virus, je crois que ça s'apaise. Ce n'est pas tout à fait une préoccupation en ce moment, mais les effets des 2 ans, 2020 et 2021, se font encore sentir. D'une part, on constate maintenant que les chiffres sont là, que le nombre de morts était plus grand, à peu près de 40% de plus que ce que les chiffres officiels déclarent. Et ensuite, le marché du travail et l'emploi et l'effet sur les femmes et les filles se font encore sentir. D'une part, les femmes ne sont pas revenues sur le marché du travail, donc il y a quelque chose à rattraper là. Et d'autre part, sur le plan de la production du GDP, ça reprend, mais sur le plan de la répartition, il y a encore des effets qui se font sentir de cette période très difficile des 2 ans de COVID. Et avant de céder la parole à Christophe Jaffrelot, Olivier Dallinges, vous pouvez nous dire quelques mots justement sur les régions souvent les plus déshéritées, comme le Bihar. Est-ce que vous avez des informations sur l'état sanitaire de ces régions et l'état économique de ces régions après la COVID? Pas des informations ultra détaillées sur les toutes dernières tendances, mais c'est vrai que ces régions qui traditionnellement passent pour être arriérées, ces dernières années, avant la Covid justement, avaient montré un certain dynamisme. Alors évidemment, le retour de bâton a été très violent avec la pandémie. On sait désormais que ce sont des dizaines de millions de gens qui ont quitté les villes
pour retrouver une forme de refuge dans leur famille, ça a été mesuré avec les téléphones mobiles, figurez-vous, parce que les opérateurs ont étudié le bornage et ont vu comme ça qu'il y a environ, je crois, 40 millions de mémoire d'Indiens qui ont quitté les grandes villes pour revenir dans le village. Alors le village en Inde, hein, ça peut être 40 000 habitants quand même, mais en tout cas pour revenir dans leur famille. Ça a été un choc qui a atteint très durement ces régions d'origine. Alors je ne sais pas particulièrement aujourd'hui si le billard est en train de se redresser ou s'il lui faut encore du temps. Mais c'est vrai que ces régions dites arriérées ou le Rajasthan également, avaient montré un certain dynamisme économique ces dernières années, qui contrastait avec leur réputation. Et Christophe Jaffrelot, est-ce que l'on sent un ressentiment de la population à l'encontre de la Chine, notamment vis-à-vis, par rapport justement à la question du virus? Et qu'en est-il plus généralement des relations Chine-Inde? Est-ce que l'on peut dire que ces relations restent complexes ou est-ce que l'Inde est enfin sortie de ce qui apparaissait de loin comme une sorte d'ambiguïté stratégique? Complexes, elles le sont, ces relations, parce que d'un côté, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Inde, ce qui crée une dépendance évidente. Et d'ailleurs, la crise de la COVID en a été un temps fort de cette dépendance, car on a découvert combien les entrants du laboratoire pharmaceutique du monde, qu'est l'Inde, venaient de Chine. Donc, là, il y avait un symbole. Mais d'un autre côté, bien sûr, la Chine menace l'Inde par ce que nous, on considère comme un expansionnisme, ce que l'Inde aussi considère comme un expansionnisme, mais ce que la Chine considère comme la reconquête de son territoire naturel. Et ça, c'est évidemment ce que l'on a vu dans l'Himalaya, notamment au Ladakh, que 20 soldats indiens ont été tués, armes blanches d'ailleurs, dans des combats d'un type particulier de corps à corps. C'est le symbole de l'adversité, de la rivalité Inde-Chine. Donc il y a une complexité, si on veut, parce qu'on ne peut pas s'aliéner facilement la Chine du côté indien, mais il y a une simplification d'un autre côté, si on veut. Aujourd'hui, il apparaît clair que si l'Inde a un ennemi, c'est la Chine. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on aurait dit le Pakistan, bien sûr, hein, était le véritable pays menaçant. Les attentats islamistes en étaient le symbole. Là, il y a eu un changement qui explique d'ailleurs le ralliement de l'Inde à une stratégie indo-pacifique dont nous reparlerons sans doute si vous le voulez. Oui, avec plaisir. Et en même temps, j'enfonce un peu le couteau dans la plaie pour mieux comprendre les choses. On a beaucoup insisté dans les médias occidentaux sur, en quelque sorte, le double discours tenu par Narendra Modi à l'égard, à la fois de Washington, mais aussi de Moscou, sachant que Vladimir Poutine, s'est rendu précisément à New Delhi, que Narendra Modi et Vladimir Poutine ont lancé le International North-South Transport Corridor, qui apparaît déjà à l'esprit de certains analystes comme une alternative au projet des nouvelles routes de la soie. Est-ce que vous pensez que Narendra Modi renoncerait d'une manière définitive à ce partenariat historique entretenu avec la Russie? Certainement pas, et c'est une autre complexité alors que vous abordez là, parce qu'il y a effectivement un grand écart aujourd'hui entre d'un côté un certain rapprochement avec Washington qui remonte aux années 2000, hein, c'est la visite de Clinton en mars 2000 qui marque le vrai tournant, donc ça ne date pas d'hier, mais le réchauffement des relations entre New Delhi et Washington s'est accéléré à la faveur de la mise en œuvre d'une stratégie indo-pacifique qui, comme je le disais, est une réponse à la Chine. Relancée en 2017, est vraiment le lieu où Américains et Indiens collaborent davantage. Et en même temps, l'Inde a aussi son en même temps, hein, eh bien, on ne renonce pas à ce partenariat avec la Russie pour toutes sortes de raisons. Des raisons pragmatiques,
80% des armements indiens viennent de Russie ou sont sous licence russe, mais pour des raisons qu'on pourrait considérer comme étant beaucoup plus idéologiques, l'Inde veut un monde multipolaire pour pouvoir jouer un pôle contre l'autre d'une manière très transactionnelle, très pragmatique, très forte. Bon, la Russie, c'est un pôle important dans ce jeu. Il ne faut pas que la Russie soit faible dans ce jeu. Et donc, ne pas condamner la Russie, du pétrole à la Russie, fait partie de cette stratégie. Et dernièrement, enfin, même de ce calcul, on pourrait dire. Et pour finir, un autre facteur important et que moi, je considère comme étant idéologique, on a à la tête du gouvernement indien, les nationalistes hindous, ne voient pas dans la démocratie libérale de type occidental un modèle. Au contraire, peut-être l'anti-modèle. Donc, il y a une dimension, on peut dire, illibérale. Approcher Narendra Modi de Poutine, en tout cas de ce style politique. Donc, vous avez toutes sortes de raisons conduisant à ce grand écart actuel. Maintenant, jusqu'où est-il tenable, ce grand écart, si la Russie perd la guerre ou en tout cas ne la gagne pas en Ukraine, si elle n'est même plus en mesure de fournir les armes qu'elle vend en ce moment à l'Inde. Est-ce que le calcul indien ne va pas changer? Et est-ce que la nécessité d'une aide occidentale ne va pas grandir face à une Chine toujours plus puissante, surtout si la Russie est affaissée? Donc, il y a un grand écart actuel qui n'est pas tenable dans la durée et il n'est pas exclu que l'Inde doive, en fonction de l'issue du conflit en Ukraine, réorienter ses batteries dans un avenir assez proche. Olivier Dallage, à la demande d'un certain nombre de nos participants, pourriez-vous rappeler comment vous avez abordé les différents sujets très riches de votre livre? Je rappellerai que c'est un livre très documenté qui aborde à la fois les questions historiques sur l'histoire des grandes dynasties impériales telles que les Moghols notamment, jusqu'à la période de Narendra Modi, en passant évidemment par les enjeux économiques du subcontinent indien. Qu'est-ce qui vous a motivé et quel est le fil directeur justement de votre ouvrage? Est-ce que vous pourriez le présenter? Et là aussi, à la demande des internautes, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre micro, car certains d'entre vous ne vous entendent que très peu? Bon, j'ai bien noté ça, je vais parler plus fort aussi, j'espère que maintenant on entend mieux. Bon, la partie historique est très brève, hein. Raconter les différentes dynasties en 3 pages ou 4 pages, c'est pas l'histoire de l'Inde, bien entendu. C'était pour mettre un peu de contexte. C'est une présentation de ce que je crois être l'Inde actuelle, en mouvement, et des interrogations qui naissent notamment de l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014. Ça fait quand même 8 ans, il a eu le temps de changer beaucoup de choses, et la société indienne soit s'est mise à jour, soit a poussé dans le même sens, c'est difficile à dire. Ce qui paraît certain, c'est qu'en tout cas, quel que soit le sort des élections à venir, le retour à la situation antérieure n'est pas possible, parce que les partis d'opposition eux-mêmes ne parlent plus de la même façon qu'ils le faisaient avant l'élection de Narendra Modi. Et donc, dans les différents domaines qui intéressent les gens, c'est-à-dire la vie de tous les jours, la vie institutionnelle, la vie politique, la diplomatie, j'ai essayé de discerner ce qui avait changé et ce qui est permanent, parce que bon, l'Inde n'est pas née en 2014, quelle que soit la volonté d'un certain nombre de militants de l'affirmer. Et donc, quels sont les emprunts à la période antérieure? Quels sont les rejets? Il y en a beaucoup. Quelles sont les transformations de ce qui existait déjà? C'est en fait l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui continuent, mais qui sont appelées autrement et qui sont légèrement déviées des projets initiaux. Et avec partout des points d'interrogation sur vers où va-t-on. Je n'ai évidemment pas la réponse, mais la façon dont se déroule l'actualité de l'Inde, y compris à travers des crises très graves comme la crise du Covid, comme les tensions frontalières avec la Chine dans l'Himalaya, on en a parlé tout à l'heure, et puis cette volonté d'affirmer une troisième voie qui n'est pas du tout celle que l'Inde de Nehru dans les années 50 voulait, mais c'est quand même une troisième voie qui n'est ni occidentale ni autre chose. Est-ce que c'est de l'opportunisme pur et simple ou est-ce que c'est une grande stratégie?
Là, probablement aussi, la réponse est quelque part entre les deux ou les deux à la fois. Parce qu'en effet, l'Inde, c'est beaucoup du en même temps. Balvir Arora, est-ce que vous souscrivez à ces différents commentaires? Et comment voyez-vous justement l'après Narendra Modi? Est-ce que vous voyez, c'est une question que je poserai aussi à Sandrine Prévost, dans cette radicalité d'un certain nombre d'intellectuels hindouistes à l'encontre notamment des musulmans, y voyez-vous un danger pour la démocratie indienne ou au contraire une forme de normalisation? Voyez-vous aussi des référents comme le soulignait en substance Christophe Jaffrelot, un héritage qui est celui de Bandung et du tiers-monde, bref, une volonté encore et toujours pour l'Inde de s'affirmer en tant que non-alignée par rapport à Moscou, par rapport à Washington. Comment évaluez-vous, comment cernez-vous justement l'idéal type de l'intellectuel hindouiste aujourd'hui en Inde? Intellectuel hindouiste, Une gageure, hein, mais je vous pose cette question. oui, non, mais je crois que pour reprendre le point sur le non-alignement que Christophe, donc Christophe a parlé et dont Olivier a donné les antécédents, je crois que l'Inde fait des choix et il y a un mouvement, il y a des tendances qui émergent d'une sorte de réalignement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un alignement pur et simple, donc on reste dans le domaine, dans le champ du non-alignement, mais la politique étrangère indienne est en train d'évoluer pour justement prendre le plus grand avantage des conjonctures qui se présentent. Et je crois que c'est le propre de toute politique étrangère. J'aimerais revenir sur le titre même de l'ouvrage et voulais m'interroger sur, parce que c'est un géant fragile. Donc le géant, je crois qu'on en a parlé, c'est la population. Mais la fragilité, d'où vient la fragilité? Je crois que c'est intéressant comme question. Il y a évidemment des facteurs qui peuvent fragiliser n'importe quel pays, interne, externe, des conjonctures. Donc, tout système est plus ou moins fragile. Qu'est-ce qui fait que l'Inde est plus fragile que d'autres systèmes? Est-ce que la Chine est moins fragile parce qu'elle n'est pas démocratique? Est-ce que l'Inde est plus fragile parce que il y a des mouvements politiques, des tendances politiques, il a des voisins. Donc, ça, c'est la première question que je voulais poser. L'autre, c'est la question de la violence endémique dont Olivier parle. Il dit que la violence est endémique au cœur de la politique indienne. Je crois que c'est important, c'est que l'État indien fait face à des... et il a un appareil de coercition assez développé, fait face à plusieurs défis sur le plan interne. Donc, on peut penser que c'est ça qui fragilise l'Inde, ou est-ce que c'est l'environnement, c'est les conjonctures, c'est les voisins. Je crois que Olivier devrait nous dire pourquoi il a choisi ce point d'interrogation, un géant fragile. Moi, ce qui me frappe, Alors, mon cher Olivier. oui, ce qui me frappe, c'est que l'Inde a de très nombreux atouts. Et chaque fois qu'on prend ces atouts l'un après l'autre, on voit immédiatement tous les obstacles qui peuvent se dresser sur la route. Alors, en termes de développement, l'Inde a une jeunesse très dynamique qui ne demande qu'à se réaliser, mais il n'y a pas d'emploi. Il y a des industries qui pourraient produire énormément, mais il n'y a pas suffisamment d'électricité pour alimenter toutes les usines.
Il y a des investisseurs étrangers qui voudraient s'installer, mais il y a des complexités administratives. Et puis, quand même, ces violences politico-religieuses, ça fait parfois hésiter certains des investisseurs qui voudraient s'installer en Inde. Il y a des compétences énormes, mais parfois des difficultés à travailler entre elles, si vous voulez. Et puis, il y a un défaut que je trouve très, très présent en Inde. Alors qu'il y a encore une fois des compétences extraordinaires, il manque un contrôle de qualité qui, par exemple, a fait la réputation du Japon. Et c'est une des raisons qui explique qu'il a été tellement difficile à Dassault de s'entendre avec Hindustan Limited. Et finalement, ça n'a pas eu lieu pour la fabrication des Rafales parce que la garantie finale sur le produit, les Indiens ne voulaient pas l'assumer et Dassault ne voulait pas non plus sous-traiter cette qualité à d'autres pour prendre la responsabilité. Donc voilà, c'est ce mélange permanent entre les atouts qui permettraient à l'Inde d'accomplir son rêve, qui s'exprime à haute voix avec fierté depuis maintenant un certain nombre d'années, et les réalités qui à chaque fois apportent des freins à ses possibilités. D'accord, oui. Oui. Avant de revenir justement à des aspects stratégiques et évidemment la relation sino-indienne, je vais poser à Sandrine Prévost concernant ce que les géographes, d'une manière générale, appellent l'Inde extérieure, c'est-à-dire en l'occurrence les diasporas, les ressortissants. Comment vous évaluez justement le rôle de ces diasporas d'Occident, notamment dans l'évolution actuelle de l'Inde? Je ne connais pas très bien la diaspora. Je pense que Olivier ou Christophe vous en parleront le mieux. Mais la diaspora est plutôt connue pour appuyer le gouvernement Modi. C'est une diaspora, si on parle de la diaspora riche, pas celle qui va dans les pays arabes, etc., ou dans les Émirats. C'est une diaspora qui est plutôt aisée et donc qui est plutôt vers le nationalisme. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup au-delà de la diaspora, dans le livre d'Olivier, c'est justement ce qu'on vient d'aborder, c'est toute la violence politique qu'il peut avoir envers les musulmans, les chrétiens, mais ce n'est pas une violence politique qui est nouvelle, hein, ça a existé avec les sikhs. La partition aussi, s'il y a eu partition, c'est bien qu'il y avait une opposition entre hindous et musulmans. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est un peu ça, c'est un chiffre frappant qu'Olivier mentionne, c'est qu'il y a eu 270 décès, assassinats entre 2017 et 2019 pour des engagements politiques. Donc ça m'interroge beaucoup parce qu'au quotidien, c'est pas une violence politique. Au quotidien, on n'est pas dans la violence. Voilà. Et ensuite, concernant le nationalisme hindou, maudit, etc., moi, je dois reconnaître, je ne travaille pas sur la politique, mais je travaille avec les populations rurales qui s'urbanisent. Et il y a 20 ans, il n'y avait plus de discours, un discours aussi tranché sur le nationalisme, mais petit à petit, ça a augmenté. Il y a 10 ans encore, les choix politiques, j'avais l'impression que ça se mesurait, on appuyait le BJP ou le Congrès en fonction de celui qui était le plus fort avec celui avec qui on avait le plus de chances de gagner. Mais il n'y avait pas un trop fort discours. Je ne parle pas de Modi, là, je ne parle pas de la politique, là, je parle du quotidien. Et là, je trouve que l'augmentation du discours anti-musulmans, mais bon, peut-être que ce n'est pas non plus spécifique à l'Inde, hein. Il s'accroît. Il s'accroît dans des populations qui n'avaient pas du tout ce même discours-là il y a quelques années. Voilà. Merci. Question à Christophe Jaffrelot, justement, pour rebondir sur les aspects stratégiques. Alors, on a parlé évidemment du point d'achoppement à la hauteur de l'Himalaya entre la Chine et l'Inde. Qu'en est-il justement des régions maritimes et je pense en particulier au golfe du Bengale. Comment l'Inde voit-elle justement le déroulé des nouvelles routes de la soie sur ce flanc maritime?
et surtout la très grande proximité entre la Chine de Xi Jinping et la junte birmane. Est-ce que l'Inde considère que c'est là un autre danger, une sorte d'alliance de revers qui permettrait à la Chine, y compris depuis le Sri Lanka, en quelque sorte d'encercler l'Inde, y compris jusque dans les régions situées plus au nord, avec le Pakistan? Oui, alors le Pakistan, il était l'allié stratégique, comme on dit, des mauvais jours, Weather's Friend de la Chine depuis des décennies. Et la nouveauté, elle vient des autres pays que vous avez cités, pas du Myanmar d'ailleurs, hein, qui est depuis aussi très longtemps proche de la Chine, mais celui qui vient de basculer, c'est le Sri Lanka, évidemment, qui se retrouve maintenant prisonnier, littéralement prisonnier de Pékin, parce que on aura créé une telle dépendance économique et financière que pour finir, il aura fallu remettre, certes pour 99 ans seulement, mais enfin c'est quand même très long, un port en eau profonde aux Chinois, celui qu'ils ont construit d'ailleurs, donc à quelques encablures des côtes indiennes. Et je dirais, on a eu la preuve de la dépendance sri-lankaise vis-à-vis de la Chine cet été, lorsque, alors même que l'Inde avait renfloué Sri Lanka, avait essayé de renflouer Sri Lanka au cœur d'une crise financière sans précédent, dont Rajapakse, le président, a fait les frais d'ailleurs, et bien, alors même que l'Inde avait fait cet effort financier, la Chine est venue mouiller un navire de surveillance dans ce port en eau profonde, en dépit des protestations indiennes qui n'ont pas pu dissuader Sri Colombo de cette manœuvre. Alors Sri Lanka, c'est véritablement dans le pourtour le plus immédiat de l'Inde océanique. Et puis on a un autre pays qui est en train de basculer également et qui était pourtant traditionnellement proche politiquement de l'Inde, c'est le Népal. Et au Népal, l'Inde a finalement mal géré les processus constitutionnels en faisant peut-être jouer le bâton plus que la carotte. Et c'est un autre repère important, moins décisif, en tout cas moins irréversible peut-être, mais quand même très important. Donc le mot que vous avez utilisé, à savoir l'encerclement, il est maintenant palpable parce que c'est dans le pourtour immédiat, hein, dans ce qu'on appelle l'étranger proche ou le neighborhood, que la Chine plante ses banderilles. Pakistan, Népal, Sri Lanka, Myanmar, voilà quatre pays frontaliers de l'Inde qui se retrouvent plutôt du côté chinois. Et le Bangladesh est encore, je dirais, on the fence. Mais l'Inde essaye de ne pas le voir partir définitivement du côté chinois. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui, aujourd'hui, se trouvent ainsi menacés indirectement par la poussée chinoise. C'est peut-être un cas unique en son genre qui explique, encore une fois, le fait que l'Inde ait opté pour une stratégie indo-pacifique avec les États-Unis et le Quad, mais aussi avec la France et d'autres alliés européens. Ou partenaire européen, car l'Inde n'a pas d'alliés, ne jamais l'a. Oui, ça c'est intéressant. Effectivement, cette nuance est très importante à rappeler. Et je dirais même d'une manière très gaullienne, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ça me paraît tout à fait évident. Olivier Dallage, suite à ce que disait à l'instant Christophe Jaffrelot par rapport au Népal notamment, qu'en est-il du Bhoutan? Puisque moi je m'en souviens un peu par hasard, je me retrouvais au Tibet en août 2017 et il y avait un attroupement de moyens militaires chinois tout à fait considérables qui se destinaient à la frontière bhoutanaise sur le plateau du Doklam. Qu'en est-il des relations, d'ailleurs il n'y a pas officiellement, faut-il le rappeler, de relations officielles entre le royaume du Bhoutan et la Chine, ce qui paraît curieux, mais c'est ainsi. Qu'en est-il justement de la situation? Est-elle encore potentiellement conflictuelle? On a beaucoup parlé ces derniers temps
Et dès l'introduction de nos débats, Christophe Jaffrelot rappelait justement les incidents du côté du Ladakh. Qu'en est-il du côté du Bhoutan et du plateau du Doklam? Pour l'instant, ça semble être un front à peu près gelé. Mais le Bhoutan, il n'y a probablement pas de pays qui soit programmé autant pour être favorable à l'Inde. Et l'Inde représente la quasi-totalité des échanges extérieurs du Bhoutan. Mais l'Inde n'arrive pas toujours à s'empêcher d'avoir des maladresses, de traiter ses petits voisins comme des enfants. Et les Bhoutanais, aussi indianophiles qu'ils soient, voudraient avoir peut-être un petit peu d'espace pour respirer. Parmi les maladresses, il y a eu le fait que l'Inde a généreusement donné les doses de vaccins contre le Covid qu'elle produisait, mais c'était avant la seconde vague, et l'Inde, devant la pénurie de médicaments, de vaccins, a gelé toutes les exportations. Et lorsque le moment est venu d'injecter une seconde dose, l'Inde n'était plus en mesure de fournir le Bhoutan. Et c'est finalement le Danemark qui avait renoncé à utiliser AstraZeneca, qui était le Covishield indien, c'est AstraZeneca. C'est le Danemark qui a fourni la seconde dose qui manquait, que l'Inde n'était plus en mesure de fournir. Et donc là, il y a eu un loupé, alors que ça partait d'une tentative de soft power qui aurait pu être parfaitement réussie. Voilà, donc on est toujours dans ce côté, on est le grand frère ou la grande sœur, et on traite avec un petit peu de condescendance nos voisins parce qu'on les considère comme acquis. Mais sans être hostile à l'Inde, ils voudraient qu'on leur donne un petit peu plus la liberté de choisir eux-mêmes. Et voilà, ça ne remet pas en cause le fait que le Bhoutan est très proche de l'Inde et le restera très certainement encore pendant longtemps. Et alors là, je pose une question à l'ensemble d'entre vous. Je ne sais qui souhaitera y répondre. Bon, ça paraît une question assez marginale et pourtant l'échéance inéluctable se rapproche. Comment l'Inde et ses autorités pensent-elles la succession du Dalai Lama qui, je le rappelle pour le public qui nous écoute, est accueilli sur le territoire indien depuis 1959, puisque le gouvernement tibétain en exil se trouve à Dharamsala. Est-ce qu'il y a des pourparlers? Est-ce que l'on s'interroge en haut lieu justement sur cette succession? Parce que de toute évidence, cette succession posera des problèmes entre l'Inde et la Chine, a priori. Qui voudrait y répondre? Je crois que la position indienne est assez claire dans ce domaine, c'est que le Dalai Lama est hébergé en Inde, a été accueilli en Inde, vit en Inde, mais les affaires de sa succession ou du gouvernement tibétain en Inde, l'Inde ne s'y mêle pas. Je crois que ça va être laissé au Dalai Lama et selon les coutumes, selon les traditions, le Dalai Lama va choisir comment il souhaite, il prépare déjà sa succession. Donc, je n'envisage pas, à moins qu'il y ait de gaffe sur cette question, je n'envisage pas ça comme un point de conflit entre l'Inde et la Chine. Je crois que ça se résoudra d'une manière amicale. Oui, le seul risque de conflit serait si le Dalai Lama se réincarnait en Arunachal Pradesh, et notamment dans le fameux monastère de Tawang, qui est l'un des plus prestigieux du bouddhisme tibétain, parce que, évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles la Chine ne reconnaît pas la souveraineté indienne sur cette province. Vous savez, quand des gens de cette province veulent aller en Chine, ils n'ont pas besoin de visa parce qu'on leur dit qu'ils sont déjà en territoire chinois. Ce qui est quand même une façon d'humilier l'Inde. Mais comme le dit Balvir, ce serait la seule possibilité pour que ça dégénère en conflit. D'ores et déjà, le gouvernement indien soutient le Dalai Lama comme la corde soutient le pendu. Évitons que quand il y a des visites officielles chinoises, il y a la moindre manifestation de Tibétain qu'on tient à distance, on ne veut pas de vagues. Une question qui est posée par Christophe Emery,
Les émeutes de Leicester peuvent-elles se reproduire dans d'autres pays? Je rappelle que récemment, donc à la suite d'un match de cricket, il y a eu des émeutes très, très violentes en Angleterre, opposant les supporters musulmans et aux supporters hindouistes. Qui pourrait nous répondre à ce sujet? Olivier ou Christophe, peut-être? Olivier, tu as donné un très bon exemple dans ton livre où tu dis que les supporters de l'équipe pakistanaise peuvent se retrouver en prison. Ben, ça s'est produit effectivement lors d'un match récent où au Rajasthan, de même qu'en Uttar Pradesh, des jeunes qui avaient été entendus soit chantant des chansons pakistanaises, soit soutenant l'équipe du Pakistan, ont été poursuivis pour sédition et donc été mis aux arrêts, quoi, enfin en garde à vue et gardés assez longtemps. C'est devenu un enjeu. Alors déjà que il y a le soupçon permanent à l'égard de la communauté musulmane d'Inde de souhaiter en secret la victoire de l'équipe pakistanaise quand il y a un match entre l'Inde et le Pakistan, ce qui, dans la quasi-totalité des cas, n'est pas la réalité. Mais et, du coup, ça a donné une expression. Mais la question n'était pas tout à fait celle-là, c'était dans quelle mesure il y a une exportation possible des tensions communautaires internes. Oui. Alors d'abord, c'est déjà arrivé dans le passé. Hein. Au moment de la destruction de la mosquée Babri en décembre 92, il y a eu des manifestations musulmanes, des Pakistanais et des Indiens musulmans aux Émirats Arabes Unis, qui s'en sont pris à des temples sikhs, à des temples hindous, et la communauté hindoue organisée avait également protesté. Et l'émir d'Abu Dhabi, qui était le président des Émirats à l'époque, Cher Zayed, avait mis tout le monde dans un bateau ou dans un avion en disant « pas de ça chez nous ». Et on n'en avait plus parlé. La nouveauté de ces tensions récentes de Leicester, c'est le risque, enfin la prise en compte d'un risque d'extension possible, des tensions latentes à l'intérieur même du sous-continent indien. Et c'est ça, je crois, qui a alarmé pas mal de monde. Merci beaucoup. Autre question, cette fois-ci de Pauline Nall ou Nels. Les partis comme le AAP ont-ils un avenir? Peuvent-ils être une opposition crédible et forte hors de Delhi? Christophe, je vais m'avancer là parce que, alors, étant à Delhi, je vois l'AAP d'assez près. Déjà, l'AAP a eu des succès au Punjab. Et ce qu'on est en train de regarder de très près, c'est le Gujarat qui doit voter bientôt. Et l'AAP attache beaucoup d'importance à sa campagne là-bas. Mais il faudrait aussi dire que le jeu politique, le jeu électoral est parfois faussé par toutes sortes, parce que la campagne électorale n'a pas encore été inaugurée. Donc, c'est une période intermédiaire où toutes sortes de tactiques des partis du pouvoir sont permis et l'AAP est en train de combattre parce que le ministre, un ministre important, a été inculpé ou chargé de corruption. Or, l'AAP joue beaucoup sur l'anticorruption. Il faut aussi se souvenir que M. Modi, quand qu'il a fait campagne la première fois en 2014, il a beaucoup insisté sur sa position contre la corruption et qu'il donnerait un gouvernement propre. Or, l'AAP fait aussi la même promesse et c'est à voir pourquoi l'AAP a plus de crédibilité que M. Modi dans certains États. Donc, le Gujarat va être un champ intéressant de bataille. M. Modi est là aujourd'hui en train d'inaugurer
les jeux nationaux et essayent de faire beaucoup de choses pour empêcher que l'app, pour répondre à la question, sorte du triangle Delhi-Punjab. Et justement, je vais poser la question à Sandrine. Hein. C'est une question qui nous est posée par Christina Stankulescu. Que peut-on attendre des élections de 2024? Oh là là, vous me la posez à moi la question. je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Irma. Pour moi, la tendance est celle qui est la tendance actuelle. Hein. Je vois pas pourquoi il y aurait un retour en arrière. Voilà. Après, comme dit Balbir, rien n'est joué. Les campagnes sont pas faites, etc. Mais bon, la tendance n'est pas vers l'apaisement quand même, il me semble. Donc, absolument. J'ai pas du tout l'impression qu'il va avoir une grande surprise. Enfin, maudit. Est populaire. La politique de Modi est populaire majoritairement, même s'il n'est pas majoritaire en nombre de voix, vu que l'opposition est extrêmement divisée. Je ne vois pas comment aujourd'hui, surtout Gujarat, mais là, je ne suis pas spécialiste, Balbir, Christophe sont bien mieux avertis que moi. Alors Christophe, justement, un pronostic pour 2024? Assurément pas. On est beaucoup trop loin de l'échéance et une variable décisive en la matière, c'est l'unité de l'opposition. Parce que vous savez que le mode de scrutin à un tour fait que si jamais l'opposition s'unit, eh bien, elle maximise ses chances contre un BJP qui n'a jamais réussi avec ses alliés à dépasser les 37% des voix. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il n'y a pas qu'en Italie qu'on gagne avec une minorité des voix. Ça dépend de l'opposition, de ses divisions. Et là, on voit des frémissements d'unité. C'est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais si le GDU, le RJD, le Congrès, le NCP, et là on tombe dans tous les sigles possibles et imaginables de la politique indienne, s'unissent, bon, en gros, s'il y a un front suffisamment fort pour ne présenter qu'un candidat contre celui du BJP, les possibilités d'alternance augmentent, mais ne vont qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on est sur une compétition qui n'est plus du tout de type démocratique. On est en train de se dire qu'il y a de la démocratie en Inde au moment des élections et puis plus de démocratie entre les élections. Non, il n'y a pas de démocratie non plus au moment des élections pour une raison très simple. Deux raisons très simples. L'une, les sommes que le BJP est en mesure de dépenser pour sa campagne électorale sont tellement colossales que vous avez une saturation de l'espace public, notamment grâce aux réseaux sociaux. Aucun parti d'opposition ne peut concurrencer. Le BJP a dépensé 3,5 millions de dollars en 2019 pour sa campagne électorale. Et deuxièmement, la couverture média, alors là je ne parle pas des médias sociaux, mais des médias tout court, et notamment le temps consacré à Modi en prime time, est infiniment plus grand que pour les opposants, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de régulation de l'accès aux ondes pendant les campagnes électorales indiennes, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de conférence de presse. Donc, vous avez un web traffic qui fait qu'on n'a pas une campagne électorale équitable. Ça rend très difficile l'alternance, mais ça ne rend pas impossible, évidemment. Et on a vu, ne serait-ce qu'en 1977, que si l'opposition s'unissait, c'est ce qu'elle avait fait contre Indira Gandhi, même dans des conditions très difficiles, il y a moyen de renverser le pouvoir. On a souvent dit pour le régime chinois, et surtout pour l'actuel Xi Jinping, sera-t-il d'ailleurs reconduit dans ses fonctions le 16 octobre prochain au 20e congrès du PCC? Ça, c'est une autre histoire, c'est le sinologue qui vous parle. On a souvent parlé de poutinisation du régime chinois. Donc, à travers ce que vous nous dites,
Vous avez le sentiment que l'Inde se poutinise? Le mot est un peu fort parce qu'on ne peut pas transposer les modèles aussi facilement. C'est plutôt, si vous voulez, une trajectoire, hélas, assez classique de national-populisme nourrissant de l'autoritarisme. Pas la peine d'aller jusqu'à Moscou, il suffit de s'arrêter à Ankara. On a là une trajectoire, un prototype qui est assez facilement répliqué. Et même sans aller jusqu'à Ankara, Budapest n'est pas si loin et nous montre ce que ça veut dire que de saper les bases des oppositions politiques, mais aussi institutionnelles. C'est-à-dire que l'appareil judiciaire, le pouvoir judiciaire n'est plus le contrepoids qu'il était. Et on pourrait multiplier les exemples en allant voir toutes les administrations, qu'il s'agisse du Central Bureau of Investigation, de l'Election Commission of India, toutes ces institutions qui régulaient la vie démocratique et rendaient la compétition électorale concurrentielle, enfin, en tout cas équitable, relativement équitable, tout ça s'est trouvé affaissé. Olivier Dallage, pour venir à des questions de diplomatie, on a parlé à partir de 91 d'une Look East Policy initiée par la diplomatie indienne et puis lorsque Modi a été élu, de Look West Policy. Qu'est-ce qu'il en sera à votre avis dans les années à venir? Est-ce que vous pensez justement que cet intérêt et pour l'Est et pour l'Ouest continuera à être équilibré? Est-ce que l'Inde, de ce point de vue-là, cherchera encore une voie médiane? Je ne pense pas que la clé de lecture soit la voie médiane. C'est-à-dire que l'Inde cherche son intérêt, ce qui après tout est bien légitime, mais le fait dans des silos qui sont... Alors j'allais prendre une comparaison, ce n'est pas parallèle. Moi je trouve que les rayons de route bicyclette, ça rend mieux compte des relations de l'Inde avec un certain nombre de pays. C'est-à-dire qu'on a des relations bilatérales avec le plus de pays possible, de bonnes relations de préférence, et peu importe si ces pays entre eux ne s'entendent pas. Et donc ça marche assez bien, en ce sens que Modi a pu aller tour à tour en Iran, en Arabie Saoudite et en Israël, sans qu'aucun de ces trois pays ne voie à redire publiquement en tout cas aux relations que l'Inde avait avec ses ennemis. Et d'une manière générale, l'Inde ne veut pas faire rentrer en compte les désaccords qu'il peut y avoir entre ses différents partenaires et n'accepte pas qu'on objecte quoi que ce soit à ce sujet. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a une dissymétrie, c'est que cette façon de fonctionner en silo, l'Inde ne l'admet pas dès lors qu'il s'agit du Pakistan. Et par exemple, le ministre Jaishankar, qui se trouvait aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations Unies et qui est resté une semaine de plus, a reproché aux Américains de leur projet de vendre des avions de combat au Pakistan en disant que c'était une mauvaise manière faite à l'Inde. Mais c'est le genre d'objection que l'Inde n'accepte pas pour elle-même. Voilà. Et donc, si je reprends le Look West Policy, c'est en fait, ils font leurs accords d'Abraham à eux en ayant des rapports avec Israël, avec les Émirats Arabes Unis qui sont devenus véritablement la tête de pont indienne au Moyen-Orient. Et avec l'idée évidemment d'injecter des investissements. Il y a eu un accord de libre-échange qui a été conclu en très peu de temps, en quelques mois, là où jusqu'à présent le gouvernement Modi s'était montré extrêmement frileux en matière de négociation d'accords de libre-échange. Voilà, donc il s'agit de garantir l'approvisionnement en énergie, ce qui encore une fois est bien naturel pour un pays en développement et qui a de gros besoins énergétiques, comme tout le monde, mais plus que d'autres. Et donc, de ce point de vue-là, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite sont des partenaires évidents, mais l'Iran aussi. Et donc, de la même façon que l'Inde a défié les États-Unis en important du pétrole russe à prix sacrifié, la question se pose aujourd'hui de savoir s'ils vont défier les États-Unis en reprenant leurs importations de pétrole iranien. On a évoqué à plusieurs reprises la question musulmane et elle est importante. Sandrine Prévost, justement, est-ce que dans l'imaginaire collectif, d'une manière générale, les musulmans de l'Inde, qui représentent, si je ne me trompe, 14% de la population à peu près, sont-ils encore associés au Pakistan voisin?
ou est-ce plus complexe? On ne vous entend pas. Voilà. En fait, à la partition, d'ailleurs, un chiffre que j'ai lu dans le livre d'Olivier, c'est un tiers des Indiens musulmans ont choisi de rester en Inde, donc c'est beaucoup. Ils ont fait le choix de ne pas aller au Pakistan, ils ont fait le choix de rester en Inde. Et voilà, il y a une politique anti-musulman aujourd'hui, on ne peut pas le, on peut pas le nier. Donc, par exemple, il y a eu la loi sur la nationalité, où les Indiens provenant du Pakistan ou du Bangladesh, s'ils sont chrétiens, ou peuvent obtenir la nationalité indienne, mais pas s'ils sont musulmans. Voilà, c'est, cette dimension musulmane, c'est un peu au cœur de la politique du nationalisme hindou. Hein, donc, ensuite, c'est une chose, d'ailleurs, je me suis posée comme question, et c'est une question que je pose à Olivier. J'ai vu qu'en 1996, l'Hindutva a été considéré pas comme un concept politique, mais comme un mode de vie. L'Hindutva qui est... voilà. Je m'interrogeais, j'ai été stupéfaite par cette information, parce que je pensais vraiment que c'était considéré par la Cour suprême de l'Inde. Voilà. Oui, parce que la loi électorale indienne interdit de recourir à la religion pendant les campagnes électorales. Donc quelqu'un avait soumis le cas à la Cour suprême et de manière assez bizarre, c'est un arrêt qui a été contesté, mais je veux dire, il est toujours en vigueur. La Cour suprême, après délibération, a estimé que l'Hindutva, ce n'était pas un projet politique, c'était juste un mode de vie. Et à ce titre, on pouvait tout à fait y recourir, enfin en tout cas s'en réclamer durant la campagne électorale. Merci beaucoup. Cela répond d'ailleurs à un certain nombre de questionnements par rapport à l'Hindutva d'un certain nombre de nos participants. Une autre question assez récurrente que je poserai notamment à Balvir, qu'en est-il des préoccupations environnementales? Est-ce que l'on peut envisager une Inde décarbonée dans quelques décennies? Oui, non, en ce qui concerne le charbon, je crois que l'Inde a clairement dit que ça, il va falloir prendre beaucoup plus de temps. Mais il y a quand même des efforts dans le solaire, l'énergie solaire, et il y a aussi dans la forestation, dans la couverture verte, et parce que l'Inde connaît, comme beaucoup de pays et un peu partout dans le monde, les effets du changement climatique. Tout d'un coup, il tombe beaucoup d'eau dans 2 jours et il y a des inondations. Mais pour la question des sources d'énergie renouvelables, je crois qu'on est en train de voir, par exemple, les voitures électriques sont encouragés et la question de sources alternatives. Le nucléaire est trop petit en Inde, mais l'hydraulique et même les éoliens, on regarde. Ceci dit, le charbon, je crois qu'on a fixé 70 comme date où Olivier me corrigera, l'Inde a demandé un temps plus large pour pouvoir arrêter de consommer le charbon. Il y a une coopération franco-indienne envisagée dans le domaine du nucléaire civil, par exemple? Je crois que il y a de la coopération, mais spécifiquement nucléaire. Christophe pourrait peut-être répondre. Ça nous ramène aux années 80, même 90, puisque en fait c'est la France qui est venue dépanner l'Inde lorsque les Américains ont imposé des sanctions automatiquement après le premier essai de 74.
Tarapur, la grande centrale nucléaire indienne, la première, était privée de fioul, le fioul au sens de combustible. C'est la France qui est venue apporter d'uranium enrichi dont l'Inde avait besoin. C'est le début d'une collaboration qui, effectivement, se poursuit, mais avec un gros défi à relever. Les EPR, les 6 EPR que l'Inde est susceptible d'acheter, coûtent très cher. Et pour l'instant, c'est maintenant 15 ans que ça dure, la négociation n'avance pas vraiment. On sait où ils seraient installés, ces EPR, pas très loin de Bombay, mais on n'est pas encore en mesure de programmer ce genre de transfert, d'acquisition plutôt. Donc, c'est une collaboration ancienne, finalement, qui ne s'est pas traduite par des. Qui ne s'est pas concrétisée tant que la collaboration avec les Russes, parce que, encore, ce sont les Russes qui font les centrales nucléaires indiennes. Une question tout autre pour Olivier. Y a-t-il un dauphin désigné de Narendra Modi au sein du BJP ? Pas officiellement, mais de plus en plus, il apparaît que le chef du gouvernement de l'État d'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, est présenté comme la personne qui pourrait prendre la suite. Après, il n'est pas sûr du tout que ça marche pour le reste de l'Inde, que le modèle mis en œuvre en Uttar Pradesh séduise toutes les régions de l'Inde. Et encore une fois, rien n'a été dit officiellement, mais dans la mise en scène, c'est un peu l'idée qui est suggérée. Deux questions, peut-être que Christophe Jaffrelot peut en faire la synthèse, parce que ce sont des questions de diplomatie. Quid, première question, des rapports entre l'Inde et Singapour. Et deuxième question, plus actualisée encore, est-ce que Narendra Modi pourrait envisager d'aider le Pakistan après les inondations cataclysmiques qu'a connu le Pakistan, ou est-ce complètement exclu ? Alors, ce sont deux questions bien différentes. En vérité, la relation avec Singapour a été pionnière. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, après la chute de l'URSS, quand l'Inde s'est cherché d'autres partenaires, elle a lancé cette Look East Policy, dont le père est Narasimha Rao, Premier ministre de 91 à 96, et Singapour a été la tête de pont de cette relation avec l'Asie du Sud-Est, qui s'est peu à peu manifestée par l'entrée de l'Inde dans le réseau ASEAN à travers d'abord un statut de sectorial partner, et puis finalement full partner, et puis on a fini par rentrer, même l'Inde a fini par appartenir à l'ARF, hein, l'ASEAN Forum. Singapour a aidé à tout ça, mais Singapour est petit et finalement ce sont d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui sont devenus les véritables relais de l'Inde, et notamment le Vietnam, qui est le pays avec lequel l'Inde entretient la relation la plus ancienne en Asie du Sud-Est. Il y a maintenant un rapprochement avec l'Indonésie qui s'inscrit dans cette logique de l'Indo-Pacifique. Il est évident que l'Indonésie et l'Inde, qui sont très proches géographiquement, hein, les îles Andaman arrivent vraiment très près de Sumatra. Hein. Et donc, si on veut améliorer la connectivité, ça veut dire résister à la poussée chinoise, surveiller les voies maritimes, bon, ben, on a intérêt à travailler ensemble, et c'est plutôt avec ce genre de pays que l'Inde travaille aujourd'hui. Avec une réserve, c'est que l'Inde est perçu à Jakarta comme ne traitant pas ses musulmans de la meilleure des manières, et ça ne passe pas entièrement, en tout cas, du côté et de l'Indonésie et de la Malaisie. Côté Pakistan, on ne voit pas, même pour des raisons humanitaires, l'Inde venir en aide à un pays qui est maintenant considéré comme l'ennemi public numéro un d'une manière explicite. Ça a toujours été le cas, mais
le degré d'animosité depuis 2018, 2017, 2018. Vous avez une série d'attentats, je pense en 2015 en fait, hein, d'attentats téléguidés par le Pakistan, au Punjab, Pathankot, et puis au Jammu et Cachemire indien, qui sont des tournants. Ça va se traduire par davantage de tirs par-dessus la ligne de contrôle au Cachemire. Ça va se traduire par, en 2019, en réaction à une attaque Pulwama qui est encore plus meurtrière au Jammu, par une représaille indienne sans précédent depuis la guerre de 71, puisque l'Inde va envoyer des jets au-dessus du territoire non contesté, du territoire internationalement reconnu comme étant pakistanais. On a atteint un niveau d'antagonisme qui hypothèque, même encore, je le répète, pour des raisons humanitaires, une collaboration. Alors après, j'espère me tromper. Autre question liée directement au livre d'Olivier Dallarge concernant le développement humain. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire justement quels ont été les progrès significatifs de l'Inde depuis cette dernière décennie en termes d'éducation, de rapport à l'hygiène, d'accès à l'eau potable et ainsi de suite. Bref, le développement humain. Alors, je crois qu'il est important de rappeler que les deux années de la crise du Covid ont vraiment ramené en arrière beaucoup de ces indicateurs. Allons jusqu'à 2019, parce qu'il y avait effectivement une tendance à l'amélioration dans un grand nombre de domaines. Ça n'a pas nécessairement commencé en 2014, hein. C'est la prolongation de tendances qui s'étaient esquissées avant. Mais des centaines de milliers, des millions en fait, d'Indiens sont sortis de la grande pauvreté ou de la pauvreté moyenne pour entrer dans une classe consommatrice qui pouvait aspirer et espérer vivre des jours meilleurs de façon durable. Encore une fois, la crise du Covid, avec son impact sur l'emploi, a ramené à la pauvreté beaucoup de ceux qui en étaient sortis. Voilà, l'Inde, encore une fois, est un pays qui a une médecine de pointe, qui a des instituts d'excellence en matière d'éducation. La grande faiblesse, c'est le sous-investissement chronique en équipement, en infrastructures publiques, et donc Tant l'éducation que la santé sont des parents pauvres au niveau budgétaire et ça se ressent dans les résultats. D'où l'apparition d'une concurrence privée qui n'est pas toujours à la hauteur en termes de qualité. Et question qui fait écho justement à votre réponse et que j'adresse à Balvir, est-ce que les inégalités sociales, régionales, peuvent constituer un frein au choix de politique étrangère de l'Inde? Les inégalités, ça c'est en deux parties. D'abord sociales, c'est-à-dire les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches, ces inégalités sont en train de s'accroître. L'Inde n'a jamais compté autant de milliardaires qui sont dans les 10 premiers mondiaux. Et actuellement, le gouvernement vient d'annoncer qu'il va continuer à donner du blé, du riz, de la nourriture à environ 800 millions de personnes comme aide contre la pauvreté, contre la faim. Donc, il y a des écarts, des inégalités absolument constatable. Entre les régions, il y a des inégalités. Il y a des régions qui, notamment les États du Sud, le Tamil Nadu, le Kerala et jusqu'à récemment le Karnataka, et puis les États de l'Ouest, qui sont relativement prospères du point de vue de leur développement en infrastructure, en économie, en santé et éducation, ainsi de suite. Il y a
toute cette partie de la plaine indo-gangétique qui est arriérée à plusieurs points de vue. Donc, ces inégalités sont en train de s'accroître dans l'ensemble, à la fois entre les plus riches et les plus pauvres, et entre les régions aussi, parce que le gouvernement a adopté un système de concurrence entre les États et a abandonné ce qu'on appelait le fédéralisme asymétrique qui consistait à aider les États les plus désavantagés. Sur le plan, je n'ai pas très bien compris, des répercussions sur les États voisins, vous aviez dit, Emmanuel. Non, et est-ce que justement ces difficultés internes à l'Inde pourraient constituer un frein au rayonnement de l'Inde, au développement même de ses intérêts sur le plan diplomatique à l'extérieur? Non, je crois que l'Inde vit avec ses faiblesses et ses contradictions, et les contradictions sont énormes. Et donc, on constate qu'il y a des régions qui s'avancent et qui aussi reçoivent les investissements, qui reçoivent l'infrastructure. Apple vient de transférer la production des iPhones de la Chine à l'Inde. Donc, il y a des régions qui avancent et puis il y a d'autres qui restent là où ils étaient. Merci beaucoup. Une question que je pose à Sandrine, et il me revient en mémoire justement un passage tout à fait instructif du livre d'Olivier, concernant la confession musulmane d'un très grand nombre d'artistes ou d'acteurs de l'industrie cinématographique de Bollywood. Et une question est posée par rapport à cela. Au regard des complications faites sur les productions bollywoodiennes d'une manière générale, quelles seront les perspectives pour le soft power indien? Est-ce que les discriminations, donc, pour résumer les choses, à l'encontre des musulmans, qui s'exercent aussi manifestement dans le domaine de l'industrie culturelle, tel que le cinéma, pourraient avoir un impact sur la production cinématographique indienne et partant sur l'image même de l'Inde à l'étranger? Sandrine? Difficile de répondre. Bon, déjà, dans le cinéma indien, c'est vrai qu'on véhicule plutôt des valeurs hindoues traditionnelles, mais il est occupé aussi beaucoup par des acteurs de profession musulmane. C'est vrai aussi que les oppositions entre Pakistan et Inde sont jouées au cinéma, et donc ça peut rendre difficile d'ailleurs des accords entre le Pakistan. Enfin, la population est aussi nourrie à cette conflictualité. Mais est-ce que ça aura un impact pour le soft power indien? La tendance anti-musulmane, il me semble, n'est pas que spécifique à l'Inde. Donc, je ne suis pas sûre que, hormis pour des intellectuels ou... je ne suis pas sûre que c'est un fort impact, mais c'est difficile, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le juger. Autre question diplomatique, celle-ci, que je pose à Christophe. La coopération franco-indienne sur l'agenda indo-pacifique semble encore balbutiante. Quelles sont ses perspectives selon vous? L'indo-pacifique... En général, on a le label, on a encore le contenu. C'est très difficile de dire ce qu'on entend par là, sinon que des pays qui cherchent à contenir la poussée chinoise dans la région se rapprochent. Pour faire quoi? C'est plus compliqué. Et certain, c'est que dans le cas franco-indien, il y a une très longue tradition de collaboration, de coopération militaire.
qui tient d'abord aux ventes d'armes. C'est quand même le moteur. S'il y a bien un moteur en relation franco-indienne, c'est les ventes d'armes. Ne nous masquons pas la vue. Et notre diplomatie est de plus en plus pilotée par des considérations aussi simples que qui achète quoi et combien. Donc, ça compte aux années 70 à nouveau. Et n'oublions pas d'ailleurs, c'est François Mitterrand, début des années 80, qui sanctionne le contrat des Mirages et qui ensuite ouvre la voie à ce qui va être les Scorpène dans les années 90 et puis les Rafales dans les années 2000. Voilà, c'est quand même la grande raison de travailler. Mais dans l'Indo-Pacifique, ça prend une autre forme. Ça prend la forme de manœuvres militaires conjointes, d'un accès réciproque à des installations portuaires. Et la visite de Macron en mars 2018 en Inde est le moment où la Réunion, Djibouti, deviennent accessibles comme base militaire à l'armée, à la marine et réciproquement. Donc, s'il y a une composante de l'Indo-Pacifique qui est illustrée par la relation franco-indienne, c'est cette dimension-là, la dimension qu'on peut qualifier de maritime, principalement militaire, mais pas que. On essaie aussi de parler d'économie bleue, de préservation des espaces de pêche, à nouveau face aux Chinois d'ailleurs, de garde-côtes et de formation des garde-côtes. Voilà, mais vous voyez que ça voit même plus à du sécuritaire qu'à de l'économique de ce point de vue. Une question de Tirthankar Chanda que je pose à Balvinir. Est-ce que la laïcité ou le sécularisme a encore un sens dans l'Inde d'aujourd'hui? La laïcité est menacée depuis quelques années et je crois qu'on a parlé du jugement de la Cour suprême qui dit que les hindoutva est une forme de vie, mais dans le concret, on constate de plus en plus que la laïcité est battue en brèche. Les manifestations, la possibilité pour les autres religions de s'exprimer et de par exemple de tenir leurs prières dans des endroits désignés, tout ça pose parfois des problèmes. Mais la laïcité en tant que principe, il y a beaucoup de partis qui tiennent que c'est un principe qu'il faut défendre et donc ça reste un sujet dans le débat politique. Tirthankar a raison, c'est est-ce que ça a encore un sens? Ça a encore un sens dans, parce que c'est quelque chose, une valeur qui est à défendre, mais qui est battue en brèche à plusieurs occasions. Merci beaucoup. Question posée que je pose à Olivier Dallage. L'Inde maintient-elle une position de non-alignement stricte ou affirme-t-elle un soutien même relatif à Taïwan? Dans le cas de Taïwan, la sympathie indienne va évidemment à Taïwan et pas à la Chine continentale pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Mais ça n'empêche pas l'Inde de rester extrêmement prudente. Il ne s'agit pas de chatouiller le gros chat chinois à côté au moment où on a des difficultés avec lui. Donc, vous ne trouverez pas de déclaration va-t-en-guerre, de soutien, j'allais dire irresponsable, mais de soutien très vocal à Taïwan, au-delà de formules très convenues, parce qu'encore une fois, l'Inde gère ses intérêts au plus près et n'a pas envie de se créer des difficultés supplémentaires inutiles. Autre question que je pose, pourquoi pas à Christophe,
On se souvient du discours de Samarcande et de Vladimir Poutine et de Xi Jinping les 15-16 septembre dernier, donc en appelant à une reconfiguration du monde, à l'imposition d'un nouvel ordre international. Quelle est la position de l'Inde qui, rappelons-le, dans ce contexte, faisait partie des rencontres de ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tenait donc en Ouzbékistan? L'Inde a commencé à prendre de ses distances vis-à-vis de la Russie précisément à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une volonté pour l'Inde de trouver une alternative justement à ce duo incarné par Pékin et Moscou? Alors, il y a deux questions là. La première concerne cette idée qu'il y a un ordre mondial à transformer. Et la deuxième concerne la façon dont l'Inde se relie à la Russie et à la Chine. Ce sont deux questions que je distinguerais parce que sur le premier point, ce n'est pas une spécificité du SCO, cette affaire. Mmh. Ce sont les BRICS qui ont commencé à dire qu'il faut que l'ordre mondial change. On est en 2009, et une affaire qui a quasiment 15 ans, et qui ne séduit pas que l'Inde, mais aussi le Brésil, mais aussi l'Afrique du Sud. Tous disent, nous avons maintenant vocation à partager la gouvernance mondiale. Il n'y a pas de raison que le P5, hérité de 1945, poursuive sur sa lancée. Et ça, je crois que ça n'a pas changé. Ça, je crois que ça reste une des lignes de force de la diplomatie indienne. Il suffit de lire le livre de Shankar, The Indian Way, pour s'en convaincre. Après, quels sont les pays, c'est la deuxième question, quelles sont les forces politiques qui sont les mieux placées du point de vue de l'Inde pour faire bouger les lignes? Si on pouvait ne pas s'en remettre à la Russie et à la Chine seulement pour ça, on s'en porterait d'autant mieux. Et donc, une des façons, et vous posez la question, est-ce que l'Inde va se détacher de ces deux-là, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine? On l'a dit, c'est la métaphore de la roue de la bicyclette, hein, qu'a utilisé Olivier. Elle croit en tout cas utiliser tel ou tel pays pour faire avancer tel ou tel de ses intérêts. Si ces deux pays, la Russie et la Chine, ont l'air de sortir gagnants d'un nouvel ordre mondial, elle n'a rien à gagner. Elle n'a rien à gagner à ce qu'une Chine encore plus influente bénéficie d'un affaiblissement de l'Occident. Donc, vous pouvez envisager, au contraire, de rétropédalage. Simplement, le rétropédalage sera peut-être sélectif parce que d'un autre côté, la Russie, elle, ben, on peut vouloir la cultiver encore pour toutes les raisons que j'ai dites, plus une. Si la Russie est isolée, elle aura tendance à être encore plus proche de la Chine. L'Inde n'a aucun intérêt à ce qu'une Russie affaiblie, isolée, devienne encore plus pro-chinoise alors que la Chine est justement celle qui menace l'Inde. Donc on est sur des équations qui, vous le voyez, sont d'une complexité assez effarante. Dernière question, pratiquement, que je pose soit à Olivier, soit à Balvir, ou les deux. Quid des incertitudes chinoises sur le plan économique? Alors, la Chine, on le sait, a ses indicateurs au rouge. On n'est pas sûr non plus que Xi Jinping soit reconduit dans ses fonctions. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que la presse indienne commente tout cela ou est-ce que la situation de la Chine en général laisse parfaitement indifférent? Non, ça ne laisse pas indifférent. Ces derniers jours, il y a eu des rumeurs folles, absolument incroyables. Oui. Disons qu'il a renversé Putsch, il était prisonnier, et ainsi de suite. Mais ceci dit, je crois que, comme Christophe a dit, c'est un moment très délicat parce que l'affaiblissement de la Russie et si la Chine
sort plus fort, évidemment, ça va poser des problèmes qu'on imagine. Donc, ça ne laisse pas l'Inde indifférent. C'est une préoccupation permanente, je dirais. Ceci dit, les échanges commerciaux se poursuivent assez bien et je crois qu'il y a une entente que le commerce, c'est d'un côté, la politique, c'est de l'autre, les relations extérieures. Mais l'Inde a quand même fait savoir que sur les frontières, s'il y a des problèmes, s'il y a des troubles, ça ne pourrait pas ne pas affecter les relations entre les deux pays. Merci beaucoup. Olivier, peut-être le mot de la fin ? Non, juste pour embrayer sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'une Chine qui se porte trop bien, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Inde, mais une Chine qui serait en état d'anémie économique, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle, puisqu'en dépit des tensions frontalières qu'on a évoquées ces deux dernières années, le commerce, ça a été rappelé, entre la Chine et l'Inde n'a fait que croître d'une façon spectaculaire. Et si l'investissement chinois ou les achats chinois s'effondraient, eh bien c'est l'économie indienne qui en souffrira à son tour. Eh bien, je vois, mon cher Olivier, que vous devenez de plus en plus chinois. Vous choisissez la voie du milieu. Et c'est une façon pour moi de conclure, de remercier nos invités. Olivier Dallage, auteur de L'Inde, un géant fragile, que je vous recommande vivement aux éditions Erol, Sandrine Prévost, Belvire Arora et Christophe Jaffrelot. Merci beaucoup de la participation du public également. J'espère avoir répondu à avoir pu transmettre vos questions pour trouver réponse. Et je vous dis à très bientôt. Merci aussi à l'IRIS de cette organisation. À bientôt. Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir.